2, 3, 4. Salut à tous, nouveau JDG et Auge. Qu'est-ce que... Seb? Ouais? Et tu trouves pas qu'on a vraiment un décor... en carton? Wow, attendez, vous êtes qui? Vous cassez-vous de chez moi? Bref, oui, je déménage et c'est même pas pour faire semblant en plus. Du coup, on a remballé toutes les consoles, on a débranché la télé, mais heureusement, il nous reste la Game Boy. On n'a jamais vraiment abordé le sujet des consoles portables dans les JDG, alors que pourtant, paradoxalement, ma toute première console était une console portable, une Lynx Atari. Et même la Game Boy, la plus connue d'entre elles, est restée jusqu'en 2008 la console la plus vendue de tous les temps, avant de se faire dépasser par la PS2. D'ailleurs, quitte à parler des portables, on pourrait remonter encore plus. Les plus vieux parmi vous se souviendront même peut-être des jeux électroniques ou des Game & Watch, où là on remonte même au-delà de la technologie des consoles, puisqu'un Game & Watch, hein, c'est juste un sprite déjà dessiné qui s'allume et qui s'éteint. Mais c'est pas le sujet, aujourd'hui on est là pour parler des vraies consoles portables, et plus précisément de la première arrivée, la Game Boy. Et je sais qu'on devrait dire le Game Boy comme pour le GameCube, mais je vais dire là rien que pour emmerder les puristes. Sorti en 89, doté d'une autonomie de 30 heures, de 4 touches en comptant les boutons Start et Select, d'un rouleau de scotch, ainsi que d'un pistolet semi-automatique 9 mm. Non mais, Nathalie, là, t'es allée trop loin, là. La Game Boy est également dotée d'une molette qui vous permettra de régler le contraste. Ainsi, vous pouvez choisir de jouer en voyant l'écran, ou pas. La Game Boy dispose également d'un port Link qui vous permettra de jouer avec des amis à des tas de jeux comme Tetris, Pokémon, et Tetris, non, je l'ai dit, et plein d'autres. Ah là là, le temps a passé depuis qu'on jouait à ce machin. Oh, j'ai hâte de savoir à quel jeu on jouera en 30 ans. Merde! La Game Boy était beaucoup mise en avant par les publicités comme la console pour jouer dehors. Mais je l'ai déjà dit dans un autre épisode, l'écran n'était pas rétro-éclairé. Et dehors, à cause des reflets, t'y voyais rien. Le seul moyen de jouer dehors, c'était de jouer à l'ombre. Et pas genre un peu à l'ombre, hein. C'était genre bien à l'ombre. Arrête de rester enfermé là, prends ta Game Boy, va jouer dehors. Évidemment, presque tous les jeux qui ont vu le jour sur NES ou sur Super NES ont eu droit à leur version Game Boy. Parfois, c'était quasiment la même chose. On parle alors d'adaptation ou de portage. Ce matin, à la... Et forcément, bah, quand tu fais un portage sur Game Boy, c'est compliqué. Non mais parce que quand tu passes genre d'un jeu nerveux de baston sur 16 bits avec une manette à 6 boutons à un truc avec 2 boutons sur Game Boy, Attention, je frappe. C'est du combat ou c'est du tai chi, là? Ah oui, et c'est pas un problème d'émulation, hein. Le jeu tourne vraiment comme ça, à 3 FPS. Puis même, on risque pas d'avoir des problèmes. Comment différencier Sub-Zero de Scorpion, déjà? Bah c'est facile, Scorpion c'est le jaune, et Sub-Zero c'est le bleu. Et puis putain, les portraits sont tellement dégueulasses que Sub-Zero on dirait une mamie russe. Et les Fatalities c'est pareil, y'a pas de sang, les mecs ils décollent comme des Romains dans Astérix. Alors bon, c'est sûr qu'on pourrait se dire, bon bah ça va, c'est que le premier, ils vont s'améliorer. Bah tenez, Mortal Kombat 4 sur Game Boy Color. C'est sorti 6 ans après le premier jeu qu'on vient de voir, et c'est aussi le premier à être sorti en couleur. C'est dégueulasse! Mais vous savez ce que disait ma grand-mère? L'important, c'est pas l'écran titre, l'important c'est le jeu et le gameplay. Ouais, ma grand-mère était trop cool. Fait par un enfant qui vient de découvrir Paint! Quoi, vous êtes pas content? Vous vouliez pas la couleur dans vos jeux de merde là? Et nom de Dieu, mais c'est quoi ces animations en 2 frames? Et pourquoi l'autre personnage y réagit même pas quand je la frappe? Ok, là je pense qu'on peut dire que c'est dégueulasse. Je prends pas trop de risques. Et les fatalities, on dirait quelqu'un qui mange une part de tarte en gros plan et t'as filmé sa serviette! Waouh, c'était ultra violent! Enfin, je crois. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Mortal Kombat, et comme dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup de temps, eh bien je vais prendre un jeu au hasard dans ce carton et le tester.
Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non. Non. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, c'est comme dans les films d'horreur, c'est une malédiction! C'est un objet maudit qui va me suivre quoi que je fasse! Non mais c'est normal, c'est parce que c'est le carton des jeux Dragon Slayer. Ah oui. Bon ben, quand faut y aller, hein. Dragon Slayer sur Game Boy. Bon ben, du coup... Tais-toi! Ce jeu est réalisé par la même équipe qui a fait l'incroyable chef-d'œuvre que tout le monde connaît. Cependant, il ne s'agit pas d'un portage, mais d'une version à part entière exclusive à la Game Boy. Le jeu est d'ailleurs classé 1052e sur 1068. Le 12e pire jeu de la Game Boy. Pas à dire, les Dragon Slayer, c'est toujours une valeur sûre, hein. L'histoire du jeu se passe donc entre Dragon Slayer 1 et... nulle part, en fait. Parce qu'après avoir bien cherché, ce jeu ne s'insère nulle part dans la timeline de Dragon Slayer, donc déjà on va jouer pour rien. Donc, après avoir libéré la princesse Daphné des griffes du dragon, de retour chez elle, son convoi fut attaqué. Daphné se fait donc kidnapper, encore, ce coup-ci par le terrible sorcier Mordok qui recherche la puissante Life Stone que possède Daphné. Cependant, juste avant de se faire enlever, Daphné réussit in extremis à briser la pierre en plusieurs fragments. Pour libérer Daphné des griffes du sorcier, vous devrez donc retrouver les fragments pour reconstituer la pierre. Et là, vous vous dites, bon, bah c'est le coup de la pierre magique divisée en plusieurs fragments, hein, genre la Triforce, le grand classique. Héros, pour me libérer, tu devras retrouver les trois fragments de la pierre magique. Ouais, mais... non. Héros, pour me libérer, tu devras retrouver... les 194 fragments de la pierre magique. Niveau gameplay, on a donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres versions, hein. Ici, il s'agira plutôt d'un genre de jeu plateforme énigme où vous devrez, dans chaque tableau, trouver un moyen de récupérer chaque petite pièce de fragment. Alors... et d'un... de 2, 3, 4... Wow, attendez! C'est un jeu à patoun! C'est un jeu à patoun! Ils ont patouné Dragon Slayer! Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Et déjà, le premier truc! Est-ce que vous voyez quelque part le compteur des fragments à ramasser? Non! Est-ce que vous voyez quelque part le compteur des vies? Non ! Parce que votre compteur de vie et votre compteur des 194 merdes à ramasser s'affichent uniquement pendant une seconde et demie lorsque vous mourrez. Bon, en même temps, je peux comprendre un peu, hein, parce que j'imagine la réaction des joueurs. Cool, j'ai un fragment. Et j'irai même plus loin, le truc des 194 pièces à ramasser, là... si t'as pas lu le livret, tu le sais pas. Non, parce que c'est marqué nulle part, hein, ni sur l'écran titre, ni quand le jeu se lance. Et vu leur gueule, hein, puisque ça ressemble à des carrés, ça pourrait autant être des bonus qui sont pas indispensables pour avancer. Et du coup, tu peux littéralement lancer le jeu, avancer dans chaque zone, et atteindre le dernier tableau du jeu sans jamais pouvoir finir le jeu parce que t'auras rien ramassé et que t'auras pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Mais allez, pour l'intérêt de cette vidéo, on va considérer qu'on a lu le livret et qu'on sait ce qu'il faut faire. Et puis de toute façon, c'est pas savoir ce qu'il faut faire qui va t'aider à finir le jeu, hein. Au niveau des plateformes, ce jeu n'a aucune logique. Votre personnage peut marcher partout. Mais genre littéralement partout, sur les racines, sur les branches. Et là, je veux dire, je marcherais sur le panneau, ça serait déjà absurde. Mais là, je marche même pas sur le panneau, je marche sur la typo du panneau. Et encore si ça serait juste complètement con, je dis pas, mais non seulement c'est complètement con, mais en plus c'est inconstant. Genre quoi, tout l'alphabet ça va, mais la lettre L c'est un trou? Genre je peux marcher sur les cascades, mais je passe à travers les plateformes? Et... quoi? Je marche sur les nuages? Je marche sur les nuages. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire, là? C'est censé représenter quoi, ce bordel? Vous avez quoi dans le cerveau? Des bulles? Non mais regardez cet écran. Dites-moi d'où vient le danger sur cet écran. Est-ce que c'est genre tombé de la plateforme? Est-ce que c'est genre les pics sous la plateforme? Non, le danger, c'est la torche en arrière-plan! Au passage, une dédicace au magazine Console Plus de l'époque qui notait le jeu 93 sur 100 et nous disait... On s'amuse d'un bout à l'autre de l'aventure. Les capacités de la Game Boy sont vraiment bien exploitées. La musique est entraînante. Les graphismes, eux, vraiment splendides. La difficulté du jeu est bien dosée. Et la jouabilité excellente! Alors en même temps, venant de la part de gens qui faisaient une mise en page comme ça, alors juste manger mon cul. Alors, j'ai pas parlé des ennemis, mais là aussi...
que se passe-t-il? Genre, la grosse tête de mort me tue pas, mais par contre, marcher sur le putain de sol, si? Et puis quoi? Dans Dragon Slayer sur NES, le simple fait de respirer la laine des ennemis suffisait à te tuer. Mais là, il faut littéralement t'en servir de plateforme. Ouais, non, mais vas-y, marche sur la grosse tête de mort et le fantôme, ils sont sympas, tu vas voir. Et d'ailleurs, c'est quoi le délire de ce jeu avec les montagnes russes? Tous les trois ou quatre tableaux, on se tape un passage de merde où on doit ramasser des trucs sur un chariot. Il y en a tout le temps, ça arrête pas. Non, mais c'était voulu. Vous savez, dans le jeu vidéo, faut pas rester sur ses acquis, faut savoir innover. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système très ambitieux de montagnes russes et de plateformes en forme d'ennemis. Alors, je suis allé enquêter parce que je trouvais ça un peu étrange, hein, ces mouvements d'ennemis en cercle comme ça et ces passages de fêtes foraines. Et il se trouve que le jeu tout entier est un repompage sans aucune race d'un jeu nommé Roller Coaster sur ZX Spectrum. Jusqu'au moindre détail, les sprites ont juste été remplacés, le jeu est strictement identique. Pardon, je vous ai coupé, vous disiez ? Au passage, c'est peut-être pour cette raison que ce jeu ne s'appelle pas Dragon Slayer, mais Dragon Slayer The Legend. Regardez. 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 Attendez. Attendez. Voilà. Mais on peut zoomer encore plus, hein. Attendez. Attendez. Voilà. Bref, retour au jeu alors. Évidemment, il n'y a pas de sauvegarde, mais le must, c'est qu'il n'y a pas non plus de mot de passe. Et non, parce que le jeu ne s'arrête jamais. Le jeu n'est pas composé de plusieurs niveaux. Le jeu est composé d'un seul et immense niveau que tu recommences à chaque fois que tu éteins la console. Et c'est un non. Alors au passage, le jeu est aussi doté d'un mode deux joueurs, hein, chacun son tour, comme dans Super Mario Bros. Comme ça, au lieu d'en récupérer 194, tu dois en récupérer 388. Alors, je vais clairement pas me casser le cul à terminer le jeu en entier. Hein. Je préférerais bouffer du verpillé, je vous avoue. Le jeu est ultra dur et surtout, c'est buté de pièges à con, genre tu tombes dans un trou, ça te ramène 400 tableaux en arrière. Juste, non. Après, bon, attendez, je mets la pause. Je vais être honnête, c'est difficile de hurler sur le jeu parce que bon, ben, je me souviens de la version NES, hein. Et forcément, dans mon esprit, ben, je le compare à la version NES, et oui, ben, c'est mieux, mais bon, c'est mieux comme Mussolini, c'est mieux qu'Hitler, quoi. Bon, allez. La meilleure idée de ce jeu, ça restera quand même celle-là. Le bouton pour mettre le jeu en pause est sur Start, évidemment. Mais si par hasard, quand tu veux enlever la pause, tu te trompes de bouton et que tu appuies sur Select, ce qui peut arriver quand même vu la proximité de deux boutons, le jeu se reset. Bref, voilà, c'était Dragon Slayer. Il y avait un dragon? Non. Il y avait un lair? Non. Il y avait un... Et... Ah, tiens, on va s'arrêter là, il y a les déménageurs qui arrivent. Allez. Wow, ça pue, mais il y a quoi là-dedans? De la merde? Ben non, pas de la merde. C'est mes jeux infogrammes.